Et salut tout le monde, c'est Overdose, on se retrouve pour la deuxième vidéo de Fallout 4, donc pour ma petite aventure avec vous. Donc on va tout de suite commencer, donc on venait de sortir de l'abri, et donc du coup, bah là pour le coup, on va d'abord déjà se mettre à fouiller un peu tout ce qu'on pourra trouver. Alors, tac, ah c'est bon ça, on trouve plein de choses dès le départ. De toute façon, hop. Bon, on va se blinder de toute façon. Puis on verra ensuite. Toc toc toc, rien ici. Et là, dis donc. Toute façon, je suis du genre à tout récupérer. Parce qu'on sait jamais si on en aura besoin ou pas. Tac, alors il semblerait qu'il n'y ait pas autre chose d'intéressant. Bon. Yo les potos. Allez, donc apparemment il faut retourner chez nous. Enfin, apparemment. Non, on doit retourner chez nous. Hey hey, Sanctuary! Cosworth. C'est vraiment vous! Cosworth? Tu es toujours là? Mais alors? D'autres ont peut-être survécu eux aussi. Évidemment que je suis toujours là. Vous ne pensiez tout de même pas qu'un peu de radioactivité suffirait pour se débarrasser de la fierté de Général Atomics International, si? Mais vous avez l'air en grande forme. Mieux vaut que votre épouse ne vous voie pas dans cet état. Où est-elle, d'ailleurs? Ils l'ont tuée. Faut être franc, monsieur, hein. Ces choses que vous dites, ces choses affreuses, je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames. Ou pourquoi pas aux charades. T'inquiète, John quoi. Adore ce jeu. Est-il avec vous? Sean a été kidnappé. Mais je vais le retrouver. Je vais le reprendre, mon fils. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due à la faim. Ah, le bâtard. C'est la chose qui arrive quand on ne mange pas pendant 200 ans, j'en ai peur. La durée n'a pas d'importance. Je me sens bien. Un peu plus de 210 ans, en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes, en raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation? Il est marrant. Vous devez avoir faim. Cotsworth, tu as un comportement un peu étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh monsieur, c'était affreux. Deux siècles entiers sans personne à qui parler. Il a dû se faire chier. À servir. J'ai passé les 10 premières années à essayer de cirer les sols. Mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture? Comment faire pour polir la rouille? Reste avec moi, mon vieux. Concentre-toi. J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, monsieur. Les bombes sont tombées et vous êtes tous partis précipitamment. J'étais certain que vous et votre famille étiez morts. J'ai retrouvé cette holobande. Je pense que madame souhaitait vous en faire la surprise, mais ce que vous savez, c'est produit. Merci, Cotsworth. De rien. Bon, je me suis suffisamment apitoyé sur mon sort. Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble? Peut-être retrouverons-nous madame et le jeune Sean. D'accord. Bah, madame, on la retrouvera pas. Je suis fier de vous servir, monsieur. Bon, alors, on va le follow. Ah, ça a changé de des beaux petits arbres
qui était bien fleuri, machin. What? Alors, même s'ils n'en ont pas encore parlé. Hop, le Svav. Et roule pépère. En avant. Alors, voyons voir. Oh, petit coquin. Où elle est la bestiole? Bon. Ok. Bon, pas de parler. Madame et le jeune Sean, ils ne sont pas là. Et perspicace. Merci de tes efforts, Codsworth. Vous ne pouvez pas abandonner, monsieur. Pourquoi ne pas essayer la ville? Concorde est tout près. Et ses habitants ne m'ont tiré dessus qu'à quelques reprises. Rien que ça. Merci de ton aide, Codsworth. Bonne chance, monsieur. Vous retrouverez le jeune Sean, j'en suis certain. Je vais rester ici afin de protéger notre foyer. Oui. Inspecter Concorde. Ok, donc on est enfin à Sanctuary. Bon, il y a un petit peu de changement. Fouiller. Vous pouvez maintenant utiliser... Nanana. Ok. Bon, voilà. Déjà, on pourra... comment dire... ben, si on le veut, commencer prochainement la customisation de Sanctuary. Mais on le fera plus tard. On va d'abord aller... à Concorde, justement, on va aller récupérer notre petite... enfin, on va récupérer les infos. Donc, alors, c'est parti. Alors, ça aurait été cool de croiser des ennemis sur la route. Histoire qu'on leur fasse tâter notre 10 mm. Qui c'est qui jette à la poubelle des grenades? Faut être malade, hein. Alors... Ok. Alors, tac. Est-ce que. Arme. Tac. Donc le 10 mm est plus puissant. Alors on va se garder le 10 mm. Yo! Salut, toi. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul? Tu veux m'accompagner, bonhomme? Chaud pépère. D'accord. On va faire un bout de route ensemble. Moi, tu veilles, hein. Très bien. Donc. Alors. Ok, donc maintenant, on a débloqué l'atelier. Donc, de... Qu'est-ce qu'il y a? Du relais routier. Red Rocket, ok. Qu'est-ce que tu veux? Y'a quoi ici? Y'a rien. Ok, ok. Alors. Ça en prend, un paquet de cigarettes, bon. De toute façon, j'ai vu les sous. Bon, les terminaux, peu pour moi. Et voilà. Non. Bon, vite, vite, vite qu'on s'en aille, cette radio me tape sur le système. Ah oui, d'accord. Bim, mange-toi ça!
Pep, là, on va se détendre, mais alors direct. Oh, j'ai eu un coup de pression. Oh l'enfoiré. Ok, alors. Kanigou a fait un peu le taf aussi. C'est parfait. Tac. Alors, est-ce qu'on a des choses ici intéressantes? Non. Bon, pareil, la customisation du lieu, on le refera une autre fois. Waouh! Fallait pas faire le ninja. Ok. Dis donc là. Alors, tac, tout d'abord, on fouille tout. Ok. Je détiens le pouvoir. Enfin, je suis dans le pouvoir. Alors, minigun, ok, je m'attendais à une petite animation, mais non, même pas. Alors. Oh, Nid. T'inquiète, je vais venir, mon pote. La précision est hors norme. C'est vraiment dingue. Allez, on prend un petit peu d'élan. Et on y va. Allez. Appelle-moi Kamisama. Putain, mais ils sont combien là? Oui, là, il y a encore un. Bon, bah, les reins, je vais venir te chercher, mon gars. Et voilà. Oh. Nan de Dieu. Bonjour. Il est re-rentré. C'est une blague. Ah, c'est pas qu'il est rentré. C'est pas qu'il est rentré, c'est qu'il est... Il a l'air d'être kéblo à l'intérieur. Ouais, t'as vu ça? Il a vu que j'avais une armure assistée. Ah, t'as remarqué? Elle est trop belle. Eh, mon poteau, tu vas voir. Oh merde, j'avais pas vu. Ok, et par contre, du coup, ouais, bah oui. Il est toujours là, lui. Il est toujours là. Mais pourquoi il est re-rentré? On va essayer de l'avoir du dessus pour s'exposer le moins possible au danger. Parce qu'on n'est pas non plus spécialement courageux. Alors. On va élaborer une technique stratégique. Bon, bah il semblerait que je n'ai pas le choix que d'y aller. Alors, on va y aller.
faire un bisou. Là, bon, peut-être récupérer des trucs. Comme ça, si nous viennent nous défoncer la tronche, on aura de quoi se protéger, enfin du moins de se soigner. Toujours là. Ok. Allez, bâtard crêpe! Bon, bah apparemment il est buggé. Parce que normalement il est censé sortir. Hein. Et bah pour le coup. Eh bah on va tout prendre. Hein. Alors, ça pique? Ça pique ou quoi? Hein? Tiens, je te teabag. S'il y a quelque chose, on y retournera après. Oh. Et ouais, mon pote, je vous ai niqué. Ok. Eh, bonjour, j'ai tout cassé dehors. C'était vraiment impressionnant. Tu m'étonnes. Je suis content que vous soyez de notre côté. Moi aussi, Preston. On n'a jamais assez d'amis dans le commode. Je suis swag. Quand on s'est rencontrés, vous avez dit que ça vous faisait plaisir de nous aider. Vous avez tenu parole. Je sais pas si je l'ai dit. On vous doit la vie. Alors tenez, ce n'est pas grand-chose, mais c'est la moindre des choses pour vous remercier. De rien. Ouais. Dans ce cas, peut-être que vous accepterez de nous accompagner jusqu'à Sanctuary. On pourra avoir besoin de votre aide pour nous installer là-bas. D'accord, Gabi. Ma foi. J'en suis. Oh, c'est formidable. J'ai peur. Mais votre destinée ne s'arrêtera pas là, hein. Je l'ai vu. Vas-y, va manger tes bichocos, toi. Le trou. Bon, elle a pas dit ça, mon fin. Vous n'avez plus d'espoir, mais tout n'est pas encore perdu. Je sens l'énergie de votre fils. Il est toujours vivant. Je le savais. Je vous en prie, dites-moi où il est. J'aurais pas dû faire ça, ça fait fragile un peu le gars qui dit une bonne femme lui a fait croire que genre une voyante et puis. Je sens son énergie vitale. C'est pas très viril tout ça. Je n'ai pas besoin de la vision pour vous dire où vous devriez commencer à chercher. Le beau diamant vert du Commonwealth, Diamond City, la plus grande ville à la ronde. Je vous en prie, Mama Murphy. Je n'ai aucune piste. Il faut m'aider. Écoutez, je suis fatiguée. Si vous m'apportez des drogues plus tard, peut-être que la vie me donnera une idée plus claire de la chose. Je vois genre. On a déjà parlé, Mama Murphy. Ces saloperies finiront par... Oh, ça suffit, on ne peut pas s'arrêter. Il faut bien mourir un jour, de toute façon. Ouais, je peux t'aider, si tu veux. Ne vous en faites pas. Et notre je conduirai ces gens à Sanctuary. Et maintenant, en route. Sanctuary vous feriez mieux d'aller à Diamond City. Bon. Grâce à notre camarade, on va pouvoir reprendre la route. On va aller à l'endroit que Mama Murphy connaît. Sanctuary. Ce n'est pas très loin. L'endroit qu'elle connaît? Vous voulez dire qu'elle l'a vue quand elle était complètement défoncée, oui? Et maintenant, vous voulez qu'on recommence à tourner en rond sans savoir où on va juste parce que Mama Murphy l'a vue? De toute façon, ça ne peut pas être pire que... Pas la peine de s'énerver. On est bon, assez de blabla. Alors, Marcy, vous avez une meilleure idée sur ce qu'il faudrait faire maintenant? Hé, hey. On ne peut pas s'arrêter. Quelqu'un d'autre? Dans ce cas, adjugé pour Sanctuary. Espérons juste que ce sera véritablement un sanctuaire pour nous. Viens, June, il est temps d'y aller. Oh. Ils m'ont pété un bras, ces enfoirés. Ok, allez. En avant pour Sanctuary. Ok, donc on est arrivé à Sanctuary. On va stocker déjà tout ce qu'on a.
Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous avez besoin d'eau, de nourriture, un peu de confort et de protection. Ok. Bon, tout d'abord, ce qu'on va faire, parce qu'on a déjà utilisé à moitié notre réaction, notre réacteur à fusion. Donc, on va pas le gaspiller davantage. Et on va donc faire ce qu'ils veulent. Oh. Bon. Alors, on va en mettre un petit là. Ouais, on va recycler toute la merdouille qu'on trouve là. Ok. Ça en fait de la merde, hein. Établi d'armes. Bon. Useless. Tac. Pareil. 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 Petite pelle. Ouais, on s'en fout. Ça s'est cassé. On rangera rien là-dedans. On mettra rien ici. On mettra rien là. Ok, alors, nourriture, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des choses déjà? Non, on n'a pas de choses. Tiens. J'ai ramassé la flotte. Non. Bon. Qu'en ai-je fait? Alors, donc déjà, faut qu'on trouve un peu de. Faut qu'on trouve un peu de béton. Ok. Bon. C'est fait. Hop là, et voilà. Déjà, il y a de l'eau et c'est pas assez. Ok, alors on va refaire un petit peu. Non. Ok, on va en faire un petit dernier quand même. Ok, bon, ils ont ce qu'il faut. Ensuite, la bouffe. La bouffe, la bouffe. Où est-ce que je vais trouver ça, moi? Il y a plein de choses à recycler, dis donc. C'est chiant. Alors, est-ce que je vais trouver de la bouffe, moi? Voilà, toujours, hein. Donc, ils veulent qu'on trouve de la nourriture, mais où et pour faire quoi? Là, je dois faire quoi? Pas. Alors, tac, donné. Rejoignez Preston à Sanctuary Hills. Bah, je veux bien, mais. Ok. Bah, rejoindre Preston, c'est pas trop ça, hein. Bon, on va leur faire quelques lits. Bah, du coup, 5. Hop. S'en bat les reins. Quelque chose me dit qu'ils sont arrivés. Okay. Alors, ils sont pas connectés, on va laisser le chiot pour l'instant. Ok, alors, mobilier, lit. Faire d'autres ici. Un petit dernier dans les toilettes. Hop. Ok. Alors, faut parler à Preston, mais je ne sais pas où il est.
ça devient compliqué. S'il veut pas se montrer en même temps. Bon, à mon avis, c'est pas bien grave. Ce qu'on fera, c'est qu'on. C'est qu'on repartira. Puis, à mon avis, quand le jour où on reviendra, il sera là. Et puis. Puis ce sera tout. Hein. De toute façon. Je pourrais pas faire spécialement beaucoup de choses supplémentaires. Tiens, on va leur mettre des tourelles avant de. De les quitter. Hop. On va mettre. Une là, bêtement. Bon, là, ça cover un peu partout. Et je vais mettre la dernière. Ici. Voilà, bon. Bah écoutez, ça sera tout pour ce second épisode sur Fallout. Pour mon petit let's play, et puis bon, du coup, on se retrouve très bientôt pour la suite. Voilà, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, et puis bon, bah voilà. Allez, salut!